Bon, Jean-Marc, on se retrouve après 2 semaines de trêve internationale. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous entre ce match amical remporté 3-0 face à Metz, la fin du mercato, le retour de quelques indisponibilités? Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan de ces 2 semaines-là qui se sont passées? Comme bilan, c'est un peu, c'était un peu toujours un peu dur. Quand on a une trêve internationale, ce qui faisait plaisir, c'est qu'on a gagné notre dernier match championnat avant. Pour passer nos 15 jours, ça c'est quand même, t'es plus léger quand même. Quand tu es entraîneur, tu es plus léger pour passer tes 15 jours avec une victoire. Et c'est un match que je craignais beaucoup. Mais c'est difficile de se sortir et de prendre de la hauteur pour ma part, parce que tu es toujours, comme je suis redondant, comme je vous le dis souvent, tu es toujours en train de vouloir construire un projet à la fois identitaire. Et un groupe qui vit bien ensemble. Et là, on est dans ces 15 jours, on était aussi en fin de mercato. C'est ce qu'il faut souligner. Et c'est mercato pour l'Europe, et puis aussi un peu plus long pour la Turquie, etc. Et donc, il y a toujours des tensions pour construire le groupe jusqu'à ce qu'on arrive à la date échéance du fin du mercato. Et quand tu es entraîneur, cette période-là, elle est. Même si. Pour être tranquille et un peu apaisé, même si les entraîneurs ont beaucoup moins d'impact qu'on pouvait l'avoir au XXe siècle ou il y a 15 ou 20 ans, c'est toujours lourd à porter, parce que tu veux construire un groupe cohérent et cohésif. Et donc voilà, on a ces 15 jours là pour ça, c'était un peu, en ce qui me concerne, un peu dur à vivre par rapport à cette histoire de mercato, et avec des possibilités de départ ou pas, des possibilités de vouloir faire signer des joueurs. Et ça, pour moi, c'est un peu lourd à vivre dans l'histoire de monter un projet durable. Voilà, parce que c'est obsessionnel quand tu es entraîneur, tu peux pas toujours te dire comment tu vas vivre juste. Ça arrive, ça, il y a aussi des coachs qui. Comment tu vas vivre le match prochain? C'est comment tu grandis, comment tu construis une équipe qui peut être solide et qui peut aller chercher des victoires. Et plus le temps passe, et mieux c'est comme ça. Donc c'est vrai que ces 15 jours, encore une fois, par rapport à ce que j'ai vécu personnellement avec mes dirigeants, c'était. C'était encore un peu lourd, voilà, pour faire court, voilà, c'était un peu lourd, un peu lourd. Un peu plus difficile à vivre, ces histoires de mercato. Justement, surtout à notre époque, tu vois, ouais. Parce que il y a 30 ans, on ne bougeait pas beaucoup de clubs. Bon, moi, je bougeais le club parce que je me faisais virer, donc, parce que j'étais con. Mais bon, c'est différent, j'aimais ça, mais être con. Mais là, maintenant, les joueurs, à tout moment, comment tu construis une identité, comment tu construis une équipe qui a envie de vivre ensemble, parce que les joueurs, ils sont toujours sollicités. Et tu vois bien que les clubs de Ligue 1, Ligue 2 ou National, ils changent énormément de joueurs, ce qui retarde effectivement le projet sportif, évidemment. Ça, c'est une certitude. Et justement, pour rebondir là-dessus, on sait que Hamza Saki pouvait être en instance de départ. Vous avez pu le garder, il s'est réintégré au groupe. Maintenant, on focus sur le championnat. Tout est, on va dire, mis de côté par rapport à ces 15 jours qui n'ont pas dû être évidents, j'imagine. Non, c'est pas 15 jours qui n'ont pas été évidents. C'est pour, en ce qui concerne le cas d'Hamza, c'est 6-8 semaines. Parce que Hamza voulait partir du club. Donc c'était son désir profond. Donc évidemment, ça engendre des soucis de gestion des ressources humaines. Si tu es juste supporter, que tu t'assois dans la tribune, tu dis « Putain, il est bon ce joueur. Il est très bon, oui. Il est aussi très gentil. » Mais quand tu es entraîneur et que tu vis dans un vestiaire, il y a des paramètres beaucoup plus profonds et multiples. Quand tu as 30, 35 mecs qui vivent ensemble, qui font que le fonctionnement peut être fluide ou non. Voilà, pour essayer
J'essaie de tenir mes propos, ça. J'essaie de pas dire des bêtises, tu vois. Parce que j'en ai trop envie. Enfin, bon, voilà. Mais donc, quand tu es obligé de gérer 40 mecs dans une... Parce que c'est ça, t'as 25 joueurs, t'as 20, 25 joueurs avec les jeunes, plus le staff médical, plus le staff technique. Donc, quand tu gères 35, 40 mecs dans un vestiaire, il y a des problèmes de ressources humaines très importants. D'ailleurs, si vous avez joué le maintien depuis 10 ans, c'est que vous auriez dû vous poser cette question fortement. Et là, c'est pareil pour Hamza. C'est que, quelque part, il y a effectivement les qualités du joueur, et puis il y a aussi tout le travail des ressources humaines autour et qui peut poser problème dans un vestiaire. Après, quand tu es juste supporter, que tu sois à la tribune, tu dis « Ah, il est bon, ce joueur. » Mais tu restes là, quoi. Tu n'ajoutes pas les autres paramètres à côté. C'est là que ça a demandé un petit peu de temps pour que collectivement, ça puisse retrouver une fluidité autour de lui aussi, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas totalement réglé, quoi. Pas que nous, on se focalise sur la date du mercato, mais ça peut laisser un peu de trace aussi, hein, pendant quelques temps. Voilà. C'est une question ou c'est la réponse ? Les deux. C'est comme vous voulez. C'est les deux. Voilà, t'as à la fois posé la question et t'as répondu. C'est deux, t'as fait les deux, là. C'est bien. C'est les deux. Tu parles souvent de complémentarité, de recherche de pairs, etc. On a vu un trio offensif avec Charbonnier, Hein et Perrin très performant qui s'est trouvé dans le jeu à Nancy. Qu'est-ce que toi t'en as pensé et est-ce que effectivement ça peut être un axe à développer pour l'équipe ? Oui, par rapport à ça, c'est intéressant ce que je te dis parce que effectivement, c'est très important dans le foot, même si tu es un très très grand défenseur, même parmi les meilleurs défenseurs, même si tu as une très grande défense, quand tu es confronté à des gens qui se connaissent bien, qui s'entendent bien, des bons compliments, des bonnes paires. Et je vous l'ai souvent dit ici, ce que disait Zagallo, hein, qui a été 4 fois champion du monde quand même, le mec. Mais c'est ce qu'il disait. Il disait que les bonnes paires, effectivement, font que tu ne perds pas de match. Et des fois, moi, le dernier souvenir que j'ai en date sur la Ligue 2, c'est Nîmes Olympique, avec Bozok et... Ah, oui, c'était incroyable, parce que juste la paire... Bon, avec aussi d'autres paramètres, mais que je ne vais pas évoquer ici, mais cette paire leur a permis de franchir un palier. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu... C'est ce qu'on recherche. Et tu recherches ça, ou tu as envie de découvrir ça, parce que quand tu es entraîneur, contrairement à ce que certains pensent, tu ne crées pas des paires. Tu découvres. Tu mets les mecs sur le terrain et tu te dis, bon, est-ce que ça marche bien? Parce que... Pas croire que tu as les paramètres et les qualités, parce que des fois c'est lié à des choses complètement imperceptibles qu'on maîtrise pas. Mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai vu, c'est comme toi, je croise les doigts pour que ça continue à se bonifier par rapport au même regard que j'ai porté le même regard que toi sur ce côté-là qui peut me plaire, oui, beaucoup, qui peut aussi beaucoup aider l'équipe quand ça se passe comme ça, oui, c'est vrai. Justement, dans les dernières heures du mercato, Vincent Alexis Trouillet, pardon, s'est engagé avec la JOCR en prêt sans option d'achat. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce joueur? C'est un joueur que vous aviez déjà suivi par le passé, et en quoi il peut apporter à cette équipe de la JA? En fait, on avait plusieurs noms, et puis c'est tombé sur Alexis. Et nous, on a pris pas mal d'informations. C'est un joueur qui est doué dans le jeu du milieu de terrain. Et l'essentiel, si tu veux, Nicolas, c'est que ce qu'on voulait essentiellement, c'est pouvoir avoir... Après, il faut assimiler les protocoles de jeu. Parce que ça, c'est un truc... Où tu donnes aucun protocole de jeu, tu te mets devant ton but et tu dis on improvise, on fait des contre-attaques, et comme ça arrive souvent chez nous, dans l'Hexagone, on fait des contre-attaques et on va vite devant. Bon. Ou après, quand tu as les protocoles de jeu, il faut que le garçon qui arrive, et moi je l'ai connu, il faut assimiler ça. Et des fois c'est long. Mais Alexis est un joueur très doué, qui est capable de récupérer le ballon, qui est capable de jouer au milieu de terrain 8 ou en 10. Et c'est ce que nous voulions pour...
parer à des défections ou des blessures, ou même qu'il soit, effectivement, il faut quand même peut-être penser qu'il peut être titulaire, le garçon, évidemment. Mais, évidemment. Mais c'était essentiellement pour étoffer notre groupe et par rapport à des qualités naturelles qu'il a, lui. Et je pense que ça peut lui faire beaucoup de bien aussi de bouger. Pour l'avoir connu, quand tu bouges, quand tu es prêté, ça te fait beaucoup grandir intellectuellement, physiquement et techniquement. Ça te fait énormément grandir. Moi, je l'ai fait 2 fois quand j'étais pro à Bordeaux. Et ça te fait beaucoup grandir d'aller te confronter à d'autres groupes, de pouvoir te faire en sorte d'être assimilé par d'autres groupes, connaître d'autres coachs, d'autres principes de jeu, etc. Ça te fait grandir. Et lui, comme je dis souvent, quand tu es prêté, même des fois si tu n'es pas titulaire, je l'ai dit à beaucoup de joueurs depuis 20 ans, ça te fait grandir, quoi qu'il arrive. Et moi, c'est ce que j'ai connu les 2 ans, j'étais à Laval et à Montpellier, en Ligue 1, et chaque fois, ça te fait grandir, ça te fait prendre une autre dimension intellectuelle et humaine d'être prêté. Donc c'est très enrichissant, ça, de bouger comme ça. Et donc, pour te répondre, c'est surtout pour suppléer, effectivement. Mais le souci qu'on a, c'est que déjà, il n'a pas pu jouer contre Metz parce qu'il a été blessé au bout de 48 heures. Et donc, après, c'est aussi la complémentarité avec les autres. Donc, on va découvrir au fur et à mesure des semaines qui vont se dérouler. Mais quoi qu'il arrive, Alexis, il pourra le dire en fin de saison, quoi qu'il arrive, ça te fait beaucoup grandir d'être prêté dans les clubs. Dans quelle mesure ça peut jouer les résultats de l'an dernier contre Niort? Il y a eu 6-0 ici, 4-0 aussi là-bas. J'étais surpris l'autre jour, c'est quand Ajaccio est venu, Olivier Pantaloni, il n'avait pas oublié les matchs des années d'avant où il y avait eu 4 et 5 contre lui. Donc là, pareil, le staff est le même à Niort. Est-ce que ces précédents matchs peuvent jouer sur celui-ci? C'est une très bonne question. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs, c'est effectivement que quand tu es dans ce cas de figure-là, et surtout au foot, surtout au football, c'est que tu as des équipes, et c'est peut-être un match très difficile pour nous, très compliqué. Parce que justement, c'est ce que je leur ai dit hier, j'ai dit justement parce que l'année dernière, voilà, il y a eu des moments difficiles pour nous, mais bon, là, ça a été assez fluide les 2 matchs. Et donc, effectivement, quand tu rencontres, c'est quelque chose, c'est une très bonne question, parce que c'est ce qui me fait le plus peur. Parce qu'on va rencontrer un adversaire qui va être particulièrement mobilisé et qui va certainement élever son niveau d'une façon importante. Et d'ailleurs, pour nous, c'est intéressant parce que ça nous permettra aussi de voir si on est capable, effectivement, de se confronter à ça, d'élever notre niveau, parce qu'il y aura effectivement, dans toute cette saison, des rencontres compliquées, comme on l'a connu contre Guingamp, voilà. Donc, comment on est capable de s'élever, alors que l'adversaire, effectivement, là, par rapport à ce qu'on a vécu l'an passé, effectivement, va être très, très mobilisé. Je le comprends très bien. Du coup, pour la rencontre de demain, vous avez un groupe qui est quasi en complet, hormis les blessés de longue date qu'on connaît, comme Lloris, Dugimon ou encore Camara. Oui, je l'ai marqué parce que ça aussi, ça me contrarie. Ça m'a contrarié ce matin. On a Mercier qui est blessé, qui ne s'entraîne pas. Dugimon, Camara, Lloris et on a Joubal qui s'est blessé hier. Donc on va voir s'il peut s'entraîner cet après-midi. Mais compte tenu de ce qu'il a, il est possible que même moi je prenne l'initiative. Parce que ce qui fait peur quand tu es coach, c'est que, comme je lui ai dit, je l'ai vu ce matin, comme j'ai dit à Joubal, j'ai dit autant je veux bien faire l'impasse sur un match, mais j'ai pas envie de faire l'impasse sur un mois et demi. Ce que je lui ai dit, donc on va voir s'il va pouvoir s'entraîner, et puis on fera le bilan ce soir après le match, mais hier il s'est blessé à l'épaule, et c'est assez... En plus c'est délicat à l'épaule, c'est pas comme si c'était... L'épaule c'est toujours délicat, très très délicat. Dans quel cas ça peut faire bouger le puzzle, quoi. Ouais, exactement, ouais. Pas 100 000 solutions non plus, quoi. Non.
là on arrive au bout, parce que comme Gauthier n'est pas là, donc on est un peu dans un truc. Donc ça peut faire effectivement bouger l'ordre des choses dans le milieu. D'un autre côté aussi, il y a le côté, effectivement, qu'on a toujours envie d'avoir tous les titulaires, etc. Mais quand tu construis un projet global, il faut savoir aussi avoir un groupe, ne pas être obsédé par l'idée d'avoir toujours tes titulaires. Comment tu as un groupe de 17-18 garçons qui sont capables d'assumer le championnat, d'assumer la compétition, alors que tu fais tourner ton effectif. Et ça aussi, dans un projet, quand tu construis un projet sur plusieurs années, c'est très très important, ça. Et autant, bon, je préférerais que Dugimon, Camara, Lloris et Joubal soient là, hein, évidemment. Hein. Mais n'empêche que quand tu construis un projet, quand tu es en septembre ou en octobre, tu peux effectivement évaluer tes forces et tes faiblesses en fonction de ça. Voilà. Parce que là, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Voilà. Dernier match à domicile, donc il y avait eu cette défaite contre Guingamp, mais malgré tout, voilà, le public avait été vachement enthousiaste. Il y a eu du monde aussi au stade. Oui. Visiblement, on attend encore aussi pas mal de monde pour demain. Pareil, dans quelle mesure ça joue aussi de sentir ce soutien alors que vous en avez été privé pendant un bon moment, quoi. Ah oui, c'est vraiment sympa. Comme je vous dis après le match, alors vraiment, on était contrariés d'avoir perdu, même si on a beaucoup dominé. Bon, c'est toujours souvent ça l'impasse. Quand la plus grosse capacité à réussir, c'est pas quand vous allez à Nancy, que vous avez un entraîneur allemand qui fait prendre beaucoup de risques à votre équipe. Ben, vous avez vu, quelque part, ça donne un match débridé, entre guillemets, on pourrait dire un autre argument ou d'autres propos, mais ça donne un match débridé et puis ça t'offre plus de possibilités. Mais quand pendant 90 minutes, tu es confronté à 11 garçons qui sont dans leurs 30 mètres, ben c'est là le plus compliqué. Ça m'est arrivé, moi je dis souvent aux joueurs, ça m'est arrivé de voir une fois Manchester City, il y a 2 ou 3 ans, contre je ne sais pas qui, Chelsea ou je ne sais pas qui, les mecs, ils ont perdu 2-1, pareil. Les autres, ils avaient même pas fait 2 attaques, à peine, voilà, alors qu'ils étaient à les 30 mètres de leur adversaire. Donc ça, et c'est vrai que pour ça, ce qui a été vraiment génial, c'était l'ambiance, quoi. L'engouement, alors ça, c'est génial. Parce que si le public arrive à être... Parce que tu as envie de créer des identités fortes et de donner l'envie aux gens... Bien sûr, c'est une question que comment tu... Sincèrement, on n'a aucune envie, nous, de vivre et d'être dans les 4 derniers, 5 derniers. Donc c'est comment tu arrives à gagner des matchs, comment tu arrives à être ambitieux. C'est vrai, on a une très grande ambition. Tu crois quoi, quand tu es coach, tu sais que tu survis que si tu gagnes des matchs. Il ne faut pas croire. Hein, voilà. Mais quelque part, comment tu peux créer une identité où les gens, ils ont envie de venir voir un spectacle, ils ont envie de mettre le feu. Et c'est vrai que j'étais particulièrement content après le match de Guingamp parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'enthousiasme. C'était vraiment sympa. Vraiment sympa. C'était très, très agréable. Une fois, j'avais vécu ça à Brest. Et les gars, on perd 5-2. C'était à 8 matchs de la fin, contre Valenciennes. Il y avait 12 000 personnes, 5-2. J'étais mort de rire parce qu'il y avait un spectateur qui était rentré sur le terrain. Il avait poussé l'arbitre, il avait pris son... C'est parce que les mecs, d'après les spectateurs, ils avaient marqué 2 buts hors jeu, sur contre-attaque. Et il avait pris l'arbitre touche, un jeune. À mon avis, il était chaud. Et il avait poussé l'arbitre et puis il avait pris son drapeau, il lui montrait comme ça. Et après, il était remonté à la tribune. J'étais mort de rire. On avait perdu 5-2. À 8 matchs à la fin, il y avait 10 000 personnes, mais un feu dans le stade. Nous, on se regardait, le staff se dit, mais il y a qui c'est que c'est pas ça? Il y avait un feu terrible. Ils étaient tous à fond derrière l'équipe. Ça, quand tu arrives à faire ça au bout de quelques temps, c'est qu'il y a une vraie joie commune et une fusion générale. Et c'est quand même, quand tu es coach, il y a ça aussi que tu as envie de générer. Parce que quand tu es coach, autant tu as envie, effectivement, d'apporter beaucoup à tes joueurs, de leur apprendre ce que c'est que la vie et le foot, mais tu as envie aussi,
quand t'es entre... enfin, c'est la façon, ma façon de voir les choses. Tu as envie aussi de générer dans la région où tu es, dans la ville où tu es, de l'enthousiasme, du plaisir, que les gens ils aient envie de venir au stade et de s'éclater, de boire des... J'allais dire encore des bêtises, de boire des bières. De boire des coups, quoi, voilà. De boire des coups. C'est vrai. Depuis hier, vous avez un nouveau gardien qui s'entraîne avec vous. C'est Zachary Boucher. Comment est-ce que ça s'est fait? Il vient juste pour s'entraîner quelques jours, ou est-ce que c'est plutôt dans la durée? Non, Zach, en fait, c'est un peu comme... Tu m'as pas posé la question pour Mamad Ndiaye, qui habite à Troyes et qui est au chômage. Moi, j'aime bien, dès l'instant où ça dépasse pas le nombre, si je vois que... Si il nous manque, parce que moi, il y a aussi le fait que de faire jouer les jeunes, de faire entraîner les jeunes. Mais on a nous beaucoup de jeunes avec nous du centre de formation. Mais sur le plan social, ça me paraît très important et je l'ai toujours fait. J'ai dû déjà vous le dire ici. Je l'ai fait à Troyes, je l'ai fait à Brest. Sur le plan social, c'est comment tu aides les chômeurs. Vous savez, cette année, avec la crise sanitaire et économique, il y a une déperdition, mais terrible pour les joueurs. Les garçons, les footballeurs sont en perdition totale parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont au chômage. Et comme Zach a été joueur ici, bon, moi j'ai invité aussi Delvin Ninga, c'est parce que lui il est auxerrois, il vit à Auxerre depuis toujours, donc je l'ai invité. Après, Mamad Ndiaye, comme je le connais depuis très très longtemps, depuis 10-15 ans, il m'avait demandé, j'ai dit tu peux venir. En plus, bon, ça, je vous dis que pour les deux, ça ne baisse pas le niveau, au contraire. Ça ne fait que les lever. Pour les deux, ils élèvent le niveau. Et puis Zach, il m'a demandé il y a 24 heures s'il pouvait s'entraîner. Alors je suis allé, moi là, par contre, c'est des gardiens de but. Donc je suis allé demander l'autorisation à Attila. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais pour te répondre, voilà, c'est parce que voilà, c'est pour aussi tendre la main, entre guillemets, à des chômeurs et avoir aussi... une considération sociale importante. Tu ne peux pas, quand tu fais du sport de haut niveau, tu ne peux pas te détourner de ce paramètre-là. Moi, je ne peux pas me détourner de ce paramètre-là. Comment le sport et le football en particulier, c'est comment tu tends la main aux gens. Ça, sinon, si tu te fermes totalement sur tout, ce n'est pas du tout l'essence même et la définition du sport de base. Permet effectivement les échanges, la communication entre les gens, et là c'est exactement ça, c'est tout, c'est lié qu'à ça. Après, où je suis méfiant maintenant, c'est que comment aussi, parce qu'il y a certains qui peuvent, donc comment aussi je fais passer des jeunes. Nous, mais bon, il se trouve que cette année, comme on a un effectif très réduit, il y a beaucoup de jeunes qui s'entraînent avec nous, énormément.